الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصلى الاله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك احمد. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône et du grand centre de ce qu'il décrit. Allah est un Seigneur qui mérite d'être craint, vénéré, imploré, évoqué, invoqué. Il mérite d'être adoré, unifié et glorifié. Il mérite d'être loué, le puissant, l'exalté. Il mérite d'être aimé. Gloire à sa majesté. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. Que soit exalté Allah, le souverain, le prêtre. Pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Il est le seul et l'unique. Il n'a pas d'associé, ni de compagne, ni de protecteur contre l'humilité. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. وانه تعالى جد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولدا. En vérité, la grandeur de notre Seigneur est exaltée. Il ne s'est donné ni compagne ni enfant. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. الله ne sait point attribuer d'enfants. Il n'existe point de divinité avec lui, sinon chaque divinité s'enirait avec ce qu'elle aura créé, et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire à Allah. Il est bien au-dessus de tout ce qu'il décrit. Allah tabaraka wa ta'ala est miséricordieux. Et sa miséricorde embrasse toutes choses. Il nous a comblés de ses bienfaits apparents et cachés. Il nous a guidés vers l'islam. Il nous a permis de le mentionner. Il nous a permis de s'incliner devant lui et de se prosterner. Il passe sur beaucoup de nos méfaits. Il efface et pardonne nos péchés. Il nous guide quand nous sommes égarés. Il nous répond quand nous sommes angoissés. Il nous a créé à la perfection et il nous a parfaitement façonné. Il nous permet de respirer, de voir, d'observer, de parler, d'entendre, d'échanger, de dialoguer, de boire, de manger, de goûter, de digérer, de bouger, de marcher, de se déplacer. Il nous permet de réfléchir, de penser, de raisonner, de comprendre. Il nous a donné la vie, il nous a permis d'exister. Qu'avez-vous donc à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Allahu al-Musta'an. La ilaha illa hu. Il y a quelques jours de cela, nous étions en plein Ramadan. Et voilà que ce n'est plus le cas. Le Ramadan est aussitôt arrivé et il est aussitôt reparti. Aussitôt commencé, aussitôt fini. Maintenant, il est temps de se remettre en question et de se poser les bonnes questions. En toute sincérité et en toute honnêteté, qu'est-ce que nous avons accompli durant ce mois et pourquoi? Qu'est-ce que ce mois nous a-t-il apporté? Qu'est-ce que ça nous a apporté? En quoi on en a profité? Est-ce qu'on a atteint cette unité qui est l'un des objectifs principaux du jeûne de Ramadan? Point d'interrogation. Qu'en est-il de notre spiritualité, de notre foi, de notre comportement, de notre éducation, de notre pratique religieuse, de notre relation avec Allah, de notre relation avec les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce qu'on a bien fait les choses? Est-ce que nos œuvres seront-elles acceptées? Est-ce que nos péchés seront pardonnés? Parce qu'en réalité, l'un des plus grands perdants est celui qui n'a pas pu tirer profit de cette occasion hors pair qui est le Ramadan. Il n'a pas vu ses péchés se faire pardonner. Abu Hurayra radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, il dit qu'un jour le prophète Ali ibn Allah salam est monté sur le minbar et il a dit Amin, Amin, Amin. On lui a dit Ya Rasulallah, on lui dit Ya Rasulallah, tu es monté sur le minbar et tu as dit Amin, Amin, Amin. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam en disant Jibril m'est venu et il m'a dit Qu'Allah éloigne celui qui a vécu le mois de Ramadan et n'a pas vu ses péchés pardonnés.
دي امين جاء لبطل دي امين امين امين. Cette remise en question dont on parle nous permettra par la grâce d'Allah d'aller de l'avant, de s'améliorer, de constater nos défauts, nos manquements, nos erreurs et d'améliorer les éléments à travailler. Et ça nous permettra de travailler ce qu'on doit travailler. L'être humain ne cesse d'être dans le bien tant qu'il se remet en question. On ne parle pas d'une introspection qui te pousse à l'extrême qui va engendrer un désespoir. Amen. On ne parle pas de cette introspection. On parle d'une remise en question qui va t'aider à aller de l'avant, qui va te faire comprendre les choses, qui va te faire prendre conscience des choses, qui va te permettre de dire ah, il faut que. Et l'être humain ne cesse d'être dans le bien tant qu'il se remet en question de manière convenable et rationnelle. Nous sommes maintenant à l'étape du après, le après Ramadan. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que nous allons faire et qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant que le Ramadan est terminé? Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant que cette ambiance ramadanesque n'est plus? Chacun d'entre nous, fardan, est seul face à son quotidien. Si notre Ramadan nous a réellement servi à quelque chose, cela veut dire que son impact positif s'est déjà manifesté. Et il est triste de constater ce changement radical à l'échelle de la société. Il y a eu un changement radical de mauvais sens à l'échelle de la société. Il y a une semaine ou un peu plus que le Ramadan est fini. Et ce laps de temps est très court, même pas 10 jours. Hein? Si jamais ce laps de temps a pu effacer l'impact positif de tout un mois en entier, alors ça doit nous inquiéter. On doit vraiment être inquiet, car il y a eu un échec quelque part et il y a un grand problème qui réside en nous. Parce que ça ne colle pas. Comment une semaine, 10 jours peut effacer l'impact d'un mois complet consacré à l'adoration? Un mois comme le Ramadan, une ambiance comme le Ramadan, ça peut engendrer que du bénéfice, que du positif. Non, ça peut nous permettre que d'aller de l'avant. Et en l'espace d'un mois, 10 jours, comme si de rien n'était. Et ça en a du mal. La fin de Ramadan ne marque pas l'arrêt final. Elle marque le début d'une autre étape. Une étape cruciale et importante où chacun d'entre nous, fardan, aura besoin des éléments que le Ramadan lui a fournis pour aller de l'avant, pour s'améliorer, pour résister, pour rester préservé. L'impact positif ainsi que les enseignements de ce mois en question sont censés rester ancrés en nous. Elles ne doivent pas disparaître juste parce que le Ramadan est fini. Là, et le fait de rester constant sur 10 demande un effort colossal, un travail sur soi. Ce n'est pas donné gratuitement comme ça. D'où pourquoi les savants nous invitent souvent à la constance et à l'assiduité dans l'adoration. Abdullah ibn Amr ibn As, on faisait des choses, on faisait des choses. Et une fois que le Ramadan est fini, on a tout délaissé. Amr ibn As, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, il dit, le prophète alayhi salatu wa sallam m'a dit, Ya Abdullah, ou Abdullah, la takun kam mithli fulan, ne sois pas comme un tel. كان يقوم الليل il veillait la nuit وترك قيام الليل الى جلس الى قيام الليل. Et beaucoup d'entre nous sont à l'image de cet homme en question qui faisait quelque chose qui plaît à Allah, qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala, et ensuite il a délaissé cela. ومن ترك عملا صالحا بعد ان وفق له فقد حرم نفسه خيرا كثيرا. Celui qui abandonne une action après avoir réussi à la faire par la permission d'Allah se prive de beaucoup de bien. Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis durant tout un mois de jeûner la journée, de veiller la nuit, de patienter, de lire le Coran, d'apprendre le Coran,
de faire preuve de largesse et de générosité, de concilier les liens de parenté et d'amitié, d'absolver, de pardonner, d'aller à la quête du savoir, d'aller à la quête du bien, d'être au service de la Oumma, et j'en passe, la liste est longue. Allah nous a permis tout cela pendant tout un mois, et chacun de nous a constaté l'impact positif, le changement positif à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, au sein de la société. Et c'est dommage que tout ça prenne fin juste parce que le Ramadan est fini. Allahu Akbar, écoute les Kabir. Nous pouvons faire en sorte d'éviter cela. Si chacun d'entre nous se décide de rester constant et déterminé, là, et ce travail, c'est un travail individuel. Chacun doit décider au fin fond. Chacun doit décider de lui-même, dans son intérieur, et d'être déterminé. Il faut que j'aille de l'avant. Je ne peux pas vivre tout à moi et une fois que c'est fini, comme si de rien n'était. Je ne peux pas être maintenant comme j'étais avant le Ramadan. Là, Allah m'a permis telle chose, Allah m'a facilité telle chose. Il faut que je continue, il faut que je construis, il faut que je... C'est aussi simple que ça. Et Wallah, ça demande une détermination. Parce que si la détermination et la fermeté n'est pas là, ben on va vite être ébranlé. Et c'est pour ça qu'il a flanché et qu'il a mangé le fruit. Parce qu'il n'avait pas cette fermeté de ne pas le manger. C'est pas pour le dénigrer. C'est un enseignement à chacun d'entre nous. Wallah, si on n'est pas déterminé, si on n'est pas ferme à rester droit sur le chemin, sur qui on va flancher. À coup sûr, Allah ne fait pas les choses au hasard. S'il t'a permis de vivre ce Ramadan et qu'il t'a permis de faire toutes ces adorations, c'est pas pour rien, il y a une sagesse derrière. Sois à la hauteur de cela. Tout ce que tu le fais pour toi. Allah n'a nullement besoin de quoi que ce soit. Nos prières, Allah n'a pas besoin. Notre jeûne, Allah n'a pas besoin. Notre salat, nos aumônes, Allah n'a pas besoin. Abadan. Notre union, Allah n'a pas besoin. Notre gentillesse, Allah n'a pas besoin. C'est pour nous-mêmes. Si on est tous purs à 100%, ça ne rajoute rien à la royauté d'Allah. Et si on est tous pervers, ça ne réduit rien à la royauté. Et comment se peut-il qu'une semaine à 10 jours de Ramadan, tu rentres, tu sors dans les rues, tu vas dans les lieux de travail, tu vas dans les foyers, tu écoutes les gens en train de parler, tu vois les gens en train d'agir, il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose-là, on doit la régler ensemble. Mais si jamais on ne prend pas conscience de cela, c'est problématique. Et la présence d'un problème n'est pas un réel problème en soi. L'absence de solution à ce problème, là, c'est vraiment problématique. Et pire que cela, le manque de volonté à trouver une solution à un problème qui est là. Mais comment on peut rester comme ça? Qu'Allah nous préserve. C'est pas pour dénigrer la Oumma. C'est pour établir, pour mentionner un fait qui est déjà établi. Et il faut qu'on bouge. La situation peut changer. Par nous. Allah il est capable de changer la situation. Sans qu'on ait quoi que ce soit à faire. Mais ce n'est pas son tatib. Là, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change ce qu'il y a en lui. Allah nous ordonne la constance et de rester droit sur le chemin. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتخوف إنه بما تعملون بصير. Demeure sur le droit chemin comme il t'a été ordonné. Quand on tient ce discours, cela ne veut pas dire qu'on doit aller au même rythme que le Ramadan. Abadan. C'est pas ce qui est demandé. Et on l'impose à qui que ce soit. Ce qui est demandé, c'est de rester assidu en faisant du mieux que nous pouvons, tout en étant sincère et honnête, en gardant un équilibre raisonnable.
ne pas faire au-delà de nos capacités et ne pas se contenter de peu alors que nous pouvons faire plus. Aïcha radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, elle dit que Rasoul alayhi salam a fait une paillasse qu'il étendait durant la journée et sur laquelle il s'asseyait la nuit. Il priait sur cette paillasse et les gens ont commencé à le suivre dans sa prière. Une nuit, les gens se sont rassemblés auprès de lui, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète leur a dit, ô vous gens, عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يقبل